Bonjour à tous. Partenaire de vos envies sportives, la ville de Dijon et ses éducateurs s'activent pour vous faire bouger à domicile. Je m'appelle Florian et je vais vous proposer une séance de renforcement musculaire pour les 12 ans et plus. La séance que je vais proposer aujourd'hui, c'est une séance basée sur le renforcement de la chaîne inférieure, c'est-à-dire muscles des cuisses, mais aussi mollets. On travaillera également les fessiers dans la deuxième partie de la séance. Commencez. On va effectuer 10 squats. Les mains sur les hanches, les pieds écartés à largeur d'épaule, en gardant le dos le plus droit possible. On va venir fléchir les jambes. Et c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Vous allez laisser 30 secondes de récupération avant d'enchaîner une deuxième série. Et 4, et 5, et 6, et 7, et 8, et 9, et les 10. Attention, 30 secondes de récupération. Pour la troisième série, vous allez écarter un petit peu plus les jambes, les pointes de pied légèrement vers l'extérieur. Et c'est parti, 10 répétitions. 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. 30 secondes de récupération. Série identique, 3, 2, 1, on est parti, 1, 2, 3, et on est dynamique, 4, et 5, et on commence à respirer, 6, 7, 8, 9, et 10, 30 secondes de récupération. Pour la prochaine série, on va effectuer des tout petits squats, c'est-à-dire qu'on va devoir écarter les pieds à largeur d'épaule, les mains toujours sur les hanches, on va venir fléchir mais sans remonter jusqu'en haut, et on va faire des petits squats. On est parti sur 15, 1, et 2, et 3, et 4, et 5, et 6, et 7, et 8, et 9, 10, 11, 12, 13, 14, et 15. Normalement, à cette partie de la séance, les cuisses commencent à chauffer. On va laisser quelques secondes de récupération avant de repartir. Le
3, et 4, et 5, et 6, et 7, et 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Attention, pour le prochain mouvement, on va écarter davantage les jambes, les pointes de pied vers l'extérieur. On va venir se pencher sur un côté, la jambe en flexion et on tient dans cette position. 1, 2, 3, on change de côté. Et 1, 2 et 3. 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 Allez, encore un de chaque côté. 1. 2, 3, 1, 2 et 3. On est reparti dans 3, 2, 1, 1, 2, 3, 1, 2 et 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 3. Dernier aller-retour, 1, 2 et 3. Allez, on tient. 1, 2 et 3. Ok. Alors le prochain mouvement, ça va être un mouvement de fente. On va venir placer un pied vers l'avant, un pied vers l'arrière et on va essayer de descendre le buste le plus droit possible en visant vers le bas. Le genou ne doit pas toucher au sol, on doit remonter avant que le genou touche au sol. On va enchaîner 10 répétitions sur une jambe, 10 répétitions sur l'autre jambe. Ce mouvement va venir solliciter davantage les membres inférieurs mais aussi les fessiers. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On change de côté. Allez, c'est parti. Et 1, 2, 3. Sur ce genre de mouvement, on fait bien attention à ce que le genou ne passe pas devant la pointe de pied. 6, 7, 8, 9 et 10. Allez, on récupère. Deuxième série, tenez-vous prêt, attention, c'est 3, 2, 1, et on y retourne. 1, 2, et 3, et 4, 5, 6, 7, 8, on contrôle son souffle, 9, et 10, on change de côté. Pensez à bien respirer. 1, 2, et 8, et 9, et 10. Allez, récupération, on souffle.
prochaine série, un tout petit peu plus dynamique, on va passer au squat jump. Alors le squat jump, ce sont des squats, le mouvement qu'on a fait en premier tout à l'heure, accouplé avec des petits sauts. Regardez, ça donne ça. On essaie de rester bien fluide tout au long du mouvement et on fait des petits sauts. 1 et 2 et 3, je ne marque pas dans l'arrêt. 4, 5 et 6 et 7 et 8, 9 et 10. Vous avez vu, c'est un tout petit saut. On ne cherche pas vraiment à aller haut et on cherche à faire un mouvement assez fluide. On amortit la réception du saut et on essaie de contrôler tout le temps le même mouvement. Allez, c'est parti pour la deuxième série. Attention, 3, 2, 1, et on y va. 1, et 2, et 3, et 4, et 5, et 6, et 7, 8, 9, et 10. Allez, on va maintenant continuer en sollicitant plutôt les mollets. Pour solliciter les mollets, on met toujours les mains sur les hanches, les pieds côte à côte, et on va monter sur pointe de pied une quinzaine de fois. Et c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14 et 15. Alors, respire un petit peu, 30 secondes de récupération. Allez, maintenant on se retrouve à genoux pour la suite de la séance. J'utilise un tapis de gymnastique. Si vous n'en avez pas à la maison, vous pouvez utiliser une serviette. Et on va maintenant solliciter spécifiquement les fessiers. Vous allez vous mettre dans la position à quatre pattes et on va commencer à faire 10 répétitions sur la jambe gauche sur une élévation latérale. On fait attention à ne bouger uniquement que la jambe. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Pas de temps de récupération, on enchaîne tout de suite sur l'autre jambe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. L'important, c'est de toujours contrôler son mouvement, essayer de faire les mouvements à la même vitesse. On repart sur la jambe gauche, attention. 1, 2, 3, 4, 5, on pense à respirer. 6, 7, 8, 9 et 10. Normalement, ça commence à chauffer et la jambe droite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, allez, on tient le coup, 8, 9, 10, on y est. 30 secondes de récupération. Allez, on continue sur nos fessiers. Cette fois, on va lever la jambe vers l'arrière et le plus haut possible. On commence avec la jambe gauche, toujours dans la position 4 pattes, le dos bien droit et on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On enchaîne tout de suite avec la jambe droite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
et 10. Jambe gauche, on y va. Allez, on tient le coup, ça commence à chauffer. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et la jambe droite pour terminer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a convenu et que vous avez pu travailler efficacement. On se retrouve bientôt pour d'autres vidéos.